De retour au Guédévulquel, on va essayer de faire une petite quête artisanale, c'est tous les 24 heures. On peut en faire une donc par jour. Hop, on prend la commande. On regarde de quoi il s'agit. Fabriquer des chaussures artisanales, deux chapeaux et deux baudriers. Et on va se mettre à la tâche tout de suite, normalement on va pouvoir faire ça. D'une traite. Alors c'est des baudriers. Deux baudriers artisanales. Peu importe le niveau, donc on va faire le niveau le plus faible pour prendre moins de ressources possible. Donc c'est bon, je peux pas diminuer là, ouais, c'est minimum, minimum. C'est parti. Deuxième. Par sécurité, je vais quand même regarder, mais le deuxième, il me semble que c'est un chapeau. Et le premier, c'est une chaussure, c'est bien ça. Donc, chapeau. Pareil, tout au minimum. Ah merde, j'ai plus de pierre breton. Ça achète à côté, c'est pas un problème, hein, ça se trouve, on peut en acheter, c'est pas si coûte le plus cher. Ce que je vais faire de suite dès que j'aurai trouvé le tailleur. Il est là. Si vous travaillez le cuir ou le tissu, je suis votre homme. De quoi? Alors. Breton, c'est ça. Je vais en prendre 3, ça devrait être bon. Vu ce qu'il me reste. En 4. Voilà. C'est un par truc, je crois. Alors, des créations, oui. Chapeau. Et un deuxième. Et des chaussures pour finir. Et voilà. On va livrer tout ça. Je suis resté de quart si longtemps que je tiens à peine debout. Et voilà. On va gagner un peu d'argent, des ressources et quelques petits items. Donc 338 pièces, 1000 points de ressources, enfin je sais pas trop c'est quoi, c'est pour débloquer je pense. Je ne suis pas censé dire, au mais niveau de la recherche surpasse tout ce qui existe. Et du développement ce sera notre secret. Des matériaux. Donc on va ouvrir tout de suite le petit truc qu'on a là. Où est-ce qu'il est parti se mettre? En consommable j'imagine. Ou fourniture. Ah c'est fourniture. Donc une sacoche de tailleur. On a eu de la maldine. Pour la forge, bon bah tant pis. Un pompon artisanal qui augmente de 280% l'aspiration une fois démantelé, donc on va aller le faire de suite. Et un repérage de tailleur. Il me semble que j'ai déjà celui-là. Ouais, cet objet est unique, vous en possédez déjà un, donc je fais quoi? Je le vends? Ça, je n'ai aucune idée. On va voir, il y a un vendeur pas loin, voir ce qu'il nous raconte. Il y a des cartes de trésor, pour l'instant j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Deux cartes de trésor et une carte de trésor, mais pour couturier quoi. Pareil, j'ai pas mis la main dessus. Est-ce qu'on peut te vendre tout ça? Bienvenue au Guild. Ouais, déjà il reprend 0, elle que j'ai déjà en dans la poche. Et ça, il reprend 0. Merde, c'est un peu con ça. Ouais, bah on va te prendre ça, hein, malgré que tu ne reprennes ça rien du tout. T'as pu reprendre au moins une pièce. Allez hop, tiens. Merde, c'est pas ça, c'est ce qu'on va démanteler.
C'est ça, c'est le repérage à tailleur. J'ai déjà, donc ça sert à rien. Cet objet est invendable. Bon. Repérage à tailleur. On va vendre celui-là. Et merde. Bah, je fais quoi de ça, moi? Faut que je le détruise. Est-ce qu'on peut le détruire? Désolé pour cette perte de temps. Ouais. C'est le seul moyen de s'en débarrasser. On est direct sur la banque. C'est bon, j'ai déjà le truc dessus. C'est plus ou moins assez, à force on se repère. On commence à connaître les lieux. Salutations. Bon. Après j'ai encore une autre quête à terminer dans cette zone. Je pardonne à mes ennemis. Merde, c'est le temple. Je dis ça et je me gourre, ça faisait longtemps. Auriel, c'est que je suis. Alors je vais déposer ce que j'ai déjà pour libérer de la place dans mon inventaire. Comme vous voyez, j'en ai un dans la poche et deux dans l'inventaire, donc je peux le cumuler, ça prendra pas plus de place. Et c'est tout. Le reste, je ne l'ai pas. Ah non, c'est retrait, merde. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Encore une fois. Donc bon. Recommençons depuis le début. On peut me dire que j'ai rien à déposer. C'est quoi, je viens de prendre aussi ce que j'avais. Alors, à mettre en fait. Ah ça va plus. Donc c'est ça. Mais du coup on va mettre. Ça va même de toute façon. C'est tout ce qu'on aura à rajouter. Pas beaucoup de place quand même. Hein. J'ai oublié de me débarrasser de certains trucs. Oh non, 55-70, c'est normal avec tous les soins et tout le reste. Surtout ça aussi là. Carte, il va falloir que je trouve le trésor et que je m'en débarrasse. Ça c'est quasiment, ça sert à rien, mais il faut que je m'en serve. Hein. Ça prend plus de casse de toute façon, puis voilà. Ouais. Donc on est parti. Il reste du monde à voir ici. C'est pas là ou quoi? Non, c'est sur la gauche. C'est ici. Il me dit j'arrive à point. J'espérais vous trouver ici, adepte. Valast a fini de traduire le tome. Quand vous serez prêt, rejoignez-nous à la guilde des mages. Adressez-vous à Valast à votre arrivée. Je serai en train de préparer votre première épreuve. Valasté vous attendra à la maison de guilde de Fan Racine. Je vous y retrouverai, adepte. Elle a fait le plus gros travail. Je la laisserai expliquer. Sachez simplement que chez Ogorath est loin d'être aussi malin qu'il le croit. Elle a réussi à déchiffrer ses inepties et à déterminer le prochain lieu où vous devez vous rendre. Ha ! Ok. J'ai des objets à livrer aussi. Enfin, à restituer. Plus ou moins. Est-ce que c'est à lui? Je ne crois pas. Lui, c'est pour choisir sa compétence. Ah non, son artisanat. Par
les étoiles, encore une interruption. C'est important. Je dirige une expérience très délicate. En effet, excusez-moi, nous nous connaissons. Votre visage ne me rappelle rien. Ha ! Elle a baissé les bras, n'est-ce pas ? Je savais que cette petite vermine n'était pas de taille contre moi. Je sais déjà où je vais dépenser son argent. Je vais acheter cette superbe robe à l'égide. Morte ? Dommage pour elle. Elle a perdu. Attendez, vous lui avez parlé avant qu'elle ne meure ? Ou après ? J'imagine que je devrais me consoler avec son or et le doux parfum de la victoire. Betty, j'admets que vous avez perdu. Je vous libère de votre contrat. Vous comptez utiliser mon or pour acheter une robe ? Attendez d'arriver en Etherius, Angrel. Vous aurez encore affaire à moi. Vous êtes juste jalouse parce que je serai élégante. Ah, c'est bien mieux. On va la mettre de suite. Celle-ci, on va pouvoir s'en débarrasser. D'ailleurs, c'est moi qui l'avais fait. Fabriqué par Simba de Céline. J'avais besoin de ceinture. J'ai l'air d'une informatrice. C'est coûte-moi cher que d'en faire. Je vais quand même l'acheter, je veux dire. Donc là, si c'est bon, on peut se barrer. C'était juste ici, donc on va démanteler ça. Ceinture que j'avais, ça fera toujours de la place. Tout le dilemme du jeu. Partir avec le moins de choses possible. Et puis c'est vrai que j'ai ça aussi, qui va me donner plus d'inspiration. J'avais complètement oublié qu'on avait ça dans la sacoche tout à l'heure avec le... Après, vu que j'arrivais pas à m'en débarrasser, j'ai complètement oublié. Donc ouais, c'est fait au moins. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, pareil, c'est encore un truc que j'ai pas trop compris. Je propose de... C'est pour par rapport à l'artisanat, mais... Si j'ai bien compris, on peut en prendre qu'un. Donc ça y est, j'ai choisi, donc pourquoi il continue à me demander... Voilà, remarque, si je veux changer, je peux... C'est de ça que ça veut dire. Ça m'indique comme si c'était une mission, quoi. Et puis du coup, on est passé devant la banque sans que je m'y arrête. Ça, après, direction l'oratoire, hein, c'est sur le chemin, donc j'en profite. Bon, celle-ci, on va faire la même connerie, dépôt, hop, c'est bon, ils nous ont mis directement dessus. Donc, ça, j'en ai déjà, hop. Le gîte, c'est pareil. Je crois bien que c'est tout, mais on fait un rapide petit tour. Ouais, non, il restait un truc, c'est ça. Et je pense que c'est bon. Voilà. Ça fait toujours 2-3 places de... 3, je crois. De libre. Donc là, 54 sur 70. Plus ou moins bien équipé. J'ai pas mal d'armes de rechange au cas où, parce que des fois ça peut lâcher en pleine mission. Puis on n'est pas. On peut pas retrouver tout de suite spécialement. En tout cas, pas des très intéressantes. On ne s'est jamais rencontré. Puis ça permet de changer de style de combat. Par la même occasion. Direction oratoire. Qu'est-ce qu'il me restait de... Sur quoi j'étais parti avant cela, j'étais plus dans cette zone-là, donc. Quand même carrément ici, voilà, c'est ça. Il me reste pas mal de choses à y faire. Donc on va se mettre ici, c'est l'oratoire le plus proche. Sachant qu'il y a pas mal de choses à faire là aussi, donc on va faire un détour, on va faire tout ça. J'imagine que ça va être un truc comme ça. On va essayer de faire le maximum. Voilà. Là, il y a une quête. On va lancer. Il faut que je parte. Bonjour. Malangoué a menacé. Tout ça n'a aucun sens. Je maudis le Talmor, le domaine et... Considérez-vous comme le bienvenu à l'école de maintien Aldmeri. Le Talmor a fondé cet établissement pour nous apprendre, à nous les membres inférieurs du domaine, ce que nous devons savoir pour intégrer la garde. Oh, comme c'est élégant. Vous ne me croyez pas ? Allez parler à Tanyon, le principal.
Demandez à ce petit vaniteux comment se déroule vraiment la vie ici. Peut-être une personne proche de la reine pourra-t-elle découvrir la vérité sur cet établissement. D'après moi, tous ceux qui sont prêts à nous écouter sont bénis par le verre. Demandez toujours. Les Ouzels font assister. Ils pensaient que, je cite, sans entraînement adéquat, nos nouveaux alliés ne seraient pas capables de représenter les objectifs du Talmor. Les instructeurs déblatèrent des absurdités à propos de comportements civilisés quand nous demandons ce genre de choses. Et en même temps, ils essaient de briser nos coutumes et nos cultures raciales. On dirait qu'être petit ou avoir une queue est un affront envers le domaine. Je vais vous raconter une petite histoire. À propos de mon ami Brintyr. Il y a quelques semaines, il fêtait son anniversaire. Au bois de Gratte, ses parents et lui avaient l'habitude de pratiquer une courte cérémonie en l'honneur du verre. En toute simplicité, quelques mots tout au plus. Tanyon l'a trouvé en train de prier. Il lui a crié dessus avant de le jeter dans la caverne, histoire d'en faire un exemple pour sa race d'hybride. Bon sang, et dire que ce sont eux qui assurent l'enseignement ici. La caverne aux embruns. Un joli petit trou dans le sol, derrière l'école. Okay. Ils s'en servent comme méthode de rééducation, quand nous sortons du rang. Le Talmor constitue l'état-major du domaine. Il est composé de Oshanwan des Hauts Elfes, de Tan Sylvestre des Elfes des Bois, et d'une poignée de chefs Khajiit. À votre avis, qui prend le dessus dans ce joyeux bouillon de culture? Ok, c'est un petit peu une guerre tribale. Caché derrière tout ça, donc c'est pas mal aussi au niveau du scénario, on apprend pas mal de choses. Enfin, c'est bien ficelé au fur et à mesure. Et l'ambiance sonore va avec. Les conversations des PNJ, etc. Pourquoi faut-il mis à jour à chaque quête que vous accomplissez. Lorsque vous aurez intégré combien votre peuple est vain. Donc au fur et à mesure, on apprend que la rébellion quand même est plus, plus massive. Sachez-le, Zaman ne fait rien sans raison. Bonne journée. On pourrait le croire au début. J'ai cru qu'il y avait une mission lancée derrière lui. Enfin, je pensais que c'était un. Je pensais parler à un des deux mecs, mais apparemment non. Hop, comme d'hab, histoire de prendre un peu. En level. Voilà, il y a des trucs ici. Partie d'une des missions, mais je sais même plus c'est quoi. Récupérer les reliques. Faites ça. Ah c'était non là c'est autre chose, ok, complet trouvé Aranias, ce chef de l'héritage voilé, ok. C'est ok, on a trouvé son journal. Donc voilà, ça c'est un des chefs de ceux qui sont contre la reine. On apprend aussi au fur et à mesure, donc bah c'est. Déjà on sait que c'est une de ses proches qui est son opposante directe. Et en fait aussi on apprend avec le temps que. Pas mal d'autres personnes qui aimeraient bonjour que ce soit soit la reine voilée soit son frère ouais c'est ça le frère de la reine pardon par contre pas la, le frère de la reine voilée bon, enfin bref vous voyez le truc c'est cliché un peu simple enfin c'est rien de très exotique, on va dire. Heureuse. Je ne serai heureuse que lorsque vous autres, vermines, retournerez d'où vous venez. On voit que c'est tendu dans le coin. Eh bien, c'était bien ça. Partez, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas accueillir davantage d'étudiants Khajiit. Oh, vraiment? Soyez le bienvenu, alors. Excusez mes manières un peu brusques. Ces derniers jours ont été éprouvants. Baliverne, sommes-nous stricts? Oui. Mettons-nous nos étudiants à rude épreuve? Oui. Combat, tactique, protocole? Il y a beaucoup à apprendre pour rejoindre le Talmor. Nous ne sommes pas dans une taverne de garde-ciel. Nous sommes en guerre. Le pacte, l'alliance, ils salivent sur Auridia comme sur un fruit mûr, prêt à être cueilli. Nous devons préparer nos étudiants à ce qui les attend sur le champ de bataille. Très bien. Nous n'avons rien à cacher ici. Allez visiter les salles de classe, croisez le fer avec nos instructeurs. Vous verrez alors que nos leçons sont difficiles, mais justes. Ok, bah du coup, il va falloir y retourner. On va parler, faire quelques trucs.
Nous jurons fidélité au domaine. Nous renonçons au pacte vert. Je ne vous entends pas. Plus fort. Nous protégeons le domaine contre ses ennemis. Le joueur, on a regardé la carte. Et nous reconnaissons la supériorité des Altmer. Répétez le serment. Bon. Ici, on a vu le tour tout à l'heure en bas. Est-ce que j'ai tout écrit ? Répétez le serment. Je ne pense pas. J'ai pas encore le niveau pour faire ce qu'il me reste à faire. Vous n'êtes pas digne de vous asseoir en ma présence. Debout et tenez-vous droit. J'ai fait ce que vous vouliez. Par pitié. Vous répondez ? Vous avez besoin de passer un peu plus de temps dans la caverne, peut-être. Ah, nous avons de la compagnie. Nous reprendrons plus tard. Ah. Ilara ne doit pas aller à la caverne. Pas encore. La caverne aux embruns, au nord du campus, en direction de la plage. Ils nous y enferment pour nous discipliner. Elle pense que c'est de la pure cruauté. Nous manquons de nourriture. Ils nous humilient et nous frappent. Nous sommes censés nous entraîner pour le Talmor, mais ils nous traitent comme des esclaves. Échouez une fois encore à l'épreuve, et vous aurez droit à la grotte. Je pense que c'est là qu'on doit aller. Ici, rien de plus. Le héros de garde-ciel. Le camp d'entraînement de l'héritage a vaincu. Ok. Donc on va passer par là. Je pense que c'est pour aller au même endroit. Ouais, c'est sur le balcon. Donc oui. On va se trouver quelque chose à y faire. L'élève en formation. Un peu fatigué, on dirait. Votre engeance me dégoûte. Et quel est ce relent? Discipline. L'élève en formation, lui, il est crevé. Non, sur le balcon, il n'y a pas la personne avec qui parler, il n'y a rien à faire. Donc, observez la classe des Baumsmer, ok. On doit encore observer quelque chose. Nous sommes là en tant que contrôleur de l'éducation nationale, je sais pas. Alors, c'est ici en fait. On dirait. Eh ben non, c'est un balcon aussi. Vraiment, lui, c'est un tout petit balcon. Il n'y a rien à y faire. Je suis paumé. Je vais être en dessous. À tous les coups. Élève, répétez le serment. Nous jurons fidélité au domaine. Nous renonçons au pacte vert. Je ne vous entends pas. Plus fort! Nous protégeons le domaine contre ses ennemis. Nous donnons notre vie pour le défendre. Et nous reconnaissons la supériorité des Altmer. C'est tellement humiliant. Chut, parlez moins fort. Cela fait partie de notre endoctrinement. Nous devons dénoncer le pacte vert tous les jours, nous engager auprès du domaine. Les instructeurs n'ont cesse de nous dire, il n'y a rien d'autre que le domaine. Nous sommes censés abandonner nos anciennes vies et ne faire qu'un sous le joug de Talmor. Laissez-moi maintenant, vous allez m'attirer des ennuis. Élève, répétez le serment. Ok, il veut leur laver le cerveau, tout ça, quoi. C'est vraiment un truc. Nous jurons fidélité au domaine. Entraînez-vous avec le surveillant. Hey. On va voir si c'est des vrais profs. Ah, bah, ils sont barrés. Ça va être ailleurs. Ça se passe. Apparemment, faut sortir. Ah non, c'est récupérer les reliques, ça. Là encore, ouais. Ça, c'est pour. C'est pas dans la même zone, de toute façon. C'est pas très loin. Mais c'est pas ici. Donc, je vais me mettre sur la quête qu'on est en train de faire. Ça sera quand même plus pratique. Voilà. Et c'est dehors aussi, apparemment. Occupez-vous-en avant qu'il cause des problèmes. Je refuse de me laisser menacer par un maudit chat. Je ne savais pas que Tanion ramènerait de la viande fraîche aujourd'hui. Très bien. Dans ce cas, en garde.
Occupons-nous de cela. Regardez bien, Vermisseau. Vous pourriez apprendre quelque chose. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Très bien. Dans ce cas, en garde. Préparez-vous. Oh merde. Regardez bien, Vermisseau. Vous pourriez apprendre quelque chose. Ça peut être, ça va être le même, mais bon, ça a fonctionné tout pareil. Bon, allez, pour changer, on va quand même aller faire lui maintenant. Salutations. Je ne peux pas parler. Je dois comme vous voudrez. Préparez-vous. Regardez bien vers nous. Vous pourriez apprendre quelque chose. Grâce. Assez. Bien le bonjour. Cette larve a une posture atroce, n'est-ce pas? Très bien. Dans ce cas, en garde. Occupons. Regardez bien, Vermisseau. Vous pourriez bien apprendre quelque chose. Grâce. Assez. Voilà, ça a été rapide. Bon, avez-vous fini votre visite de notre petite école? Qu'en avez-vous pensé? Vous ne comprenez pas. Ces gens sont à l'état brut, sans entraînement ni discipline. C'est sur un chemin extraordinaire que nous devons les guider. Rien ne me vient à l'esprit. Il ne reste que les dortoirs des étudiants, mais je préférerais que vous les laissiez étudier en paix. Merci de votre intérêt pour cette école. Je vais devoir vous laisser. C'est pas fini. C'est qu'avec lui, oui, mais... Vous avez fini de fouiner? Vous voulez voir la vérité vraie? Vous avez entendu les mensonges de Tanion, petit agent. Vous avez vu ce qu'il nous enseigne. À présent, vous devez voir ce qui arrivera une fois que nous quitterons ces fosses de torture. Je viens d'acheter des pansements et des baumes au Bahandari. Ces Khajiits sont nos seuls amis dans le coin. Avez-vous vu comment ils nous traitent? Comme ils nous frappent? Après nous avoir battus, vous pensez qu'ils nous offrent des pansements? Et pour ce qui est de la nourriture, ils ne se préoccupent pas beaucoup de nos repas non plus. Je veux que vous voyez ces gens tels qu'ils sont vraiment. Nourad, un autre étudiant, a ramené les fournitures à son dortoir. Allez lui parler. Récupérez ces fournitures, puis amenez-les à Brintir et Talorel. Ils ont eu une mauvaise journée. Je dois aller parler à Ilara. Elle aussi a eu une sale journée. Mais ses cicatrices, et elle en a beaucoup, ne sont pas visibles. Partez maintenant. J'ai cru qu'il fallait se déguiser en étudiant et... Le Talmor n'a guère de place pour le vulgaire. Et c'est de s'infiltrer, quoi, mais... On va jouer l'assistant médical. Là j'y étais, je crois. Ouais. Bien le bonjour. Est-ce Bahame qui vous envoie? Ah oui, le nouveau matériel des Bahandari. Bahame est si généreuse. Elle veille toujours à ce qu'on s'occupe bien de nous. Talorel et Brintir récupèrent dans leur dortoir. Ça a été une sale journée pour nous tous. La lune noire, sans doute. Bonne chance. Debout, Ilara. Vous allez à la caverne. La caverne? Pourquoi?
Elle n'a rien fait. Aidez-moi. N'envoyez pas Ilara là-bas. C'est un ordre de Tanion en personne. Peut-être que ça empêchera ton ami Minya de faire quelque chose. Bam pourra peut-être se sortir d'ici. Toi, le chat, tu n'es qu'un poids mort. Merci. La dernière rossée fut rude. Vous avez été très aimable avec moi. Merci. Ces sales vermines. Ces grandes vermines toutes pâles avec leurs oreilles en pointe. Je vous ai dit que j'étais allée retrouver Ilara. Je suis partie 5 minutes. Et Malangwe, le chien de garde de Tanion, lui a sauté dessus. Elle emmène Illy dans la caverne. Elle n'y survivra pas une nuit de plus, pas dans son état. Je regrouperai les étudiants. Nous fonderons sur les cavernes. Il ne nous manque que les épées. Zaban, le Bahandari qui m'a donné les pansements, il fera affaire avec nous. Non. Les instructeurs reprennent nos épées d'entraînement après les cours. Pourriez-vous lui parler? Je vais essayer de rassembler les autres, et je vous retrouverai au campement Bahandari. C'est pas très intéressant, mais ça s'enchaîne assez vite. Je vais pas. Ouais, c'est une pseudo-enquête. Ouais, c'est pas ce qui est le plus passionnant, mais bon, c'est toujours bien que ce soit là, ça permet de varier. Voilà ce que récoltent les chats quand ils essaient de faire chanter l'héritage voilé. Elle vient de se faire assassiner. Razendar, les canaux habituels ne fonctionnent pas, soyez prévenus. Le collège a été compromis. Le principal Tanion porte à présent le voile. J'ai commencé par douter, mais j'en suis sûr à présent. La reine voilée elle-même contrôle cet endroit, a envoyé des agents. Ok, ça c'est un message pour moi à mon avis. Plus ou moins, enfin en tout cas Razendar c'est un de nos contacts aussi. Zaban. Sur les sens, c'est des agents de la reine. Les yeux de la reine, l'agent secret un peu quoi. Secret, pas si secret parce qu'on le dit à tout le monde. Eh, on peut prendre. Ah, il vient de se faire buter, bah oui. Bah, bel exemple que le bonheur des uns, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On va pas y arriver. J'ai vraiment du mal avec. Allez, adios. Puis c'est le bon pain, c'est à côté, il y a une forge. Ah oui. Ouais. Est-ce que tout le monde est parti, donc c'est gratuit? Eh ouais. Des radis, des carottes. Truc que j'ai pas, ça, en plus. C'est pas trop intéressant. Là, c'est pour faire de l'alchimie, là aussi, enfin plus ou moins. Bon. Mais si on avait un clic que j'ai quand même avant, j'aurais vérifié, mais je pense que oui. Là, je sais que j'ai du nouveau là-dedans. Dagana est toute pourrie, ça, on va les démanteler, pareil pour bouclier, mais ça ne pourra pas le faire ça ici par contre. Il faut un truc pour le bois. La tête, elle connaît, est mieux. Pareil,
je pense que pour le reste c'est la même chose. Hein. Ouais, largement. C'était pas terrible en fait. On s'en fout. Truc de couture. Zaban, bon sang, que s'est-il passé ici? Tout ce temps, je croyais qu'il profitait de notre souffrance pour s'enrichir. Il essayait de nous aider. Oui, c'est tout. Écoutez, la caverne aux embruns nous terrorise. Trop de souvenirs. Allez chercher Ilara. Il faut la sortir de là. Nous récupérerons des armes au campement, puis nous nous occuperons de nos professeurs. Parti, la tête que ça va se transformer en donjon. Va falloir peut-être dégommer les profs. Enfin, joueur. Alors, puis une correction. Déjà, c'est un beau moment, ouais. Il y aura un petit chargement. La caverne aux embruns. Si les eaux elfes apprécient plus que quiconque les merveilles de la nature, leurs envies de l'embellir pour atteindre la perfection artistique frôlent la compulsion. On s'étend jusqu'aux cavernes naturelles. Et c'est un problème. Pas encore j'ai dit on. Ouais, pourquoi bref. L'avez-vous jetée là-dedans? Elle n'a rien fait de mal. Vous n'avez rien à faire ici, chat. Ni vous, ni les autres. Deux joueurs. Ouais, les gars, moi j'y vais. Un autre. On entend quelqu'un qui essaie de nous avertir d'un danger. Mais... Alors, attendez, ça peut par ici à mon avis. Même si on peut sûrement y aller, pas envie de bugger. Alors, ça va pas arriver parce que chaque fois il y a toujours moyen de sortir. On reste bugger une ou deux minutes, pas plus. Et encore. Non. Oui. Ne touchez pas à mes araignées! Ce sont mes araignées, à moi! Partez de là! Partez et ne revenez jamais! Bon, lui, c'est pas lui qu'on cherche. Les gars, laissez-moi voir un peu. Ah, voilà, il n'y a qu'à demander. Eh mais pourquoi j'ai pris mes compétences? Tout à l'heure je pensais que c'était normal vu que c'était dans la ville, vu que c'était un petit duel, mais j'ai dit c'était voilà sans magie. En fait j'ai dû faire un truc sans machin. J'ai plus de compétences du tout là. Bon, c'est pas un problème, c'est des araignées. On va quand même éviter ça. Merde. En plus, enfin, je la remette et je sais plus trop. Ça, c'était ici. Voilà, d'accord. Le fondoir, c'était ici. Ici j'avais un machin. Il était là. J'ai loupé ou quoi?
faire ça ici, être un peu plus tranquille. Magie des armes. Bon. Je n'ai que ça ici. Attends, on dit là. Compétences des guerriers. Ça, c'est des trucs que j'ai pas encore. Ok. Mais j'en avais déjà. Alors, je vais pas racheter d'autres. Déjà que j'avais appris l'habitude de m'en servir. Pas 15 non plus. Là, il manque le. C'est le pouvoir d'acronique, il me semble. Voilà, c'est ça, baby. C'était là. Il manque le coup bas. Un autre, je sais plus c'est quoi, mais ça je m'en servais pas beaucoup. Je crois que c'est pour capturer les âmes, un truc comme ça. On verra. Alors je crois que c'est lui que j'ai mis, je sais plus. Là je suis perdu là. Je sais plus d'où on vient. Je sais plus comment venir. C'est le mec avec qui on avait parlé, là y'a rien. C'est par ici. Vous ne nous briserez jamais. Voilà, on s'enfonce un peu plus dans la caverne. C'est quand même ce que je le pensais. Laissez-la sortir, lune noire, laissez-la sortir. La voilà. Elle veut seulement sortir d'ici. Ils allaient tuer Ilara, juste pour ce qu'elle est. Comment être autre chose qu'une Kajit. Oui, oui, merci. Je suis sûr que Bam est inquiète.
Et voilà, c'est fini. Il y a des imposteurs avec maître de jeu, j'ai pas trop compris là ce qu'il avait écrit, mais ça viendra. D'avoir retrouvé Ilara. Des nouvelles de Tanion? Alors, c'est fini. Cool. Nous avons pris l'école. Nous pourrons recommencer. Nous étudierons pour réellement intégrer le Talmor. Pour placer les Bosmer et les Khajiit à des postes d'autorité. Merci, mon ami. L'Alliance est plus forte grâce à votre courage. Il n'y a pas de quoi. Ça peut sortir que l'armure. Ça me fait. Ça fait bizarre, je trouve, par contre. Avec la tête de chat. Alors. Il y a ça, là. Un camp d'entraînement de l'héritage. On va aller faire ça. C'est tout simple. Pareil. Nous faisons nos courses. C'est le marché. En bord de plage. Donc il y a une jolie vue. J'ai le soleil, il va faire nuit un peu longtemps. Je pense qu'on voit plus le soleil déjà. On voit à peine. Et bien c'était ça le campement. C'est pas fini. J'ai peut-être pas dû affronter le semi-boss. Ce qui fait que ça m'a pas débrouillé la zone. On va attendre qu'il respawn. C'était la maîtresse. Est-ce que c'était elle? Le boss n'est pas encore apparu, je sais pas. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Livre découvert. L'ascension de la reine Arienne. Arienne plutôt, ouais. Enfin bref, Arienne. Les Ariens. Les elfes. Mais ouais, on va attendre comme eux. On va attendre un petit peu, puis sinon on va se parer. Là, j'ai quelqu'un à trouver encore pour compléter ma quête. Pas juste ça à faire, les reliques à trouver un peu partout. Le bar Anarun, fais ça tendre quoi, pas qu'une femme. Là, on prend le bon son grade.
c'était rapide, j'ai mis un coup dessus. Bon, ça pourra toujours se... Moi, je suis la chose. C'est vrai qu'on est full de plein de trucs pas terribles. J'ai pris des armes un peu pourries. Pièces, on va le vendre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le niveau des armes plus que j'ai des trucs pas terribles. Voilà, ça. Adios. Pareil. Ça se trouvera. Surtout pour le démantèlement que je les garde, c'est pas pour m'en servir. Bouclier la même. Voilà, c'était un peu mieux. On va faire ça en espérant trouver un oratoire. Chemin, ça permettra de pouvoir revenir ici rapidement, enfin dans cette partie de la carte, enfin de l'île plutôt. Et le meilleur moyen pour en trouver, c'est de suivre la route. Général, on le trouve dedans. C'est sur ma droite, de toute façon, j'ai pas le choix, il va falloir que je passe par là. Voilà, cool. Succès. Ça fait toujours plaisir. Ça fait des pages à lire. Je connais pas apparemment ici. N'oublions pas, c'est pourquoi on est venu ici d'ailleurs. C'est des joueurs. Pour le voile. Ah bah te voilà. T'as eu besoin de te chercher très longtemps. Ça doit être pareil, elle s'énerve. Même au niveau de ma raccourci pour... J'ai plus rien. Bon, les consommables. Bon, ça va, c'est... Allez, d'accord. Ok, c'est qu'il a... Il a oublié rien de ses compagnons. Et voilà.
Ah, il me reste un truc à faire ici d'ailleurs, juste à côté. C'est quoi? Une chute de. Une chute du funnel. On verra bien. Bon bah, je pensais que l'autre joueur voulait se le faire aussi, mais non. Pour le voile. Ouais, c'est un peu fort, je croyais qu'il était resté, mais non. Je vais lui donner un coup de main, l'aider aussi. Voilà, bah. Le manque est-ce que ma vigueur. C'est bon, il est toujours là. Et voilà. C'est un peu d'or. Donc il y a un truc à faire ici. Pas mal de. Je sais pas, avec les sabots enflammés. On y est, hein. C'est là. Ah bah oui. C'est une entrée de. Ah non, même pas. Normalement, c'est une entrée de souterrain, ça. Enfin, de donjon. Un atelier de coulure, de couture. Il y a écrit quoi? Poignée de cendre. Pointe de cendre. Ah, c'est pour avoir des trucs supplémentaires. Bon, déjà, on va démonter ça. Puis c'est tout, on n'a pas cassé le truc. Je crois pas, ouais. Là, c'est un accès. Est-ce que c'est que des vêtements qui se montent au niveau de la couture? Là, c'est pour le bois. Je vais pas avoir, j'ai jeté tout ce que j'avais. Tout à l'heure. Donc, au cas où, on a mieux, je crois. Ah, UGG est mieux. Donc, hop. Ça fera toujours de la place en plus. Enfin, plus ou moins, parce que là, du coup, j'ai quand même ces composants, mais je pourrais les foutre un atelier de forge. Pareil, c'est lui que j'avais avant, ça, on a mieux maintenant. Donc pareil, on peut s'en débarrasser. Merde. Inventaire plein, comme je disais. Enfin, pas assez de place pour mettre le lingot et les autres trucs que ça va m'apporter d'autres. Mais tant pis. C'est bien ça, il y a un petit truc ici. Au milieu de nulle part. C'est bon à savoir, à son. C'est indiqué. Marteau et signe de flamme, quoi, la forgerie. Ouais, bon, on a plus qu'à aller là-bas en espérant qu'il y ait un oratoire. Ou qu'il y ait une banque ou un truc comme ça, quoi. Ok, parce que c'est ce que je voulais éviter tout à l'heure, ça, dans le donjon. Ouais, on reste quoi, bloqué 30 secondes. On peut aller partout, mais parfois il y a des soucis. Assez rapide. C'est pas méchant. C'est pas comme si rester bégué dans le décor ou qu'on traversait. Ah, ça c'est bon pour la couture. Qu'on traversait le décor ou le sol et qu'on finissait dans le vide. Donc là ça va marquer zone découverte. Il y a une mission d'ailleurs juste à droite. À moins que je suis devenu ici en coup de vent. Possible. Au nom du ciel, aidez-moi! Les dagues, elles sont là. Elles nous ont suivis jusqu'ici. Auriel nous pardonne. Nous avions rendez-vous avec un officier de l'Alliance et son époux. Elle voulait déserter. Ces maudites dagues ont eu vent de ses intentions et nous ont pourchassés depuis Képhrem. Elle est retenue sur un bateau dans la baie. Vous devez la retrouver avant qu'il ne l'exécute. Ramenez-la au phare. C'est là que se trouve le reste de mon unité. Dépêchez-vous, voyageurs! Mes camarades sont au phare, ils ne pourront pas tenir une éternité. Et qui sait quand les dagues décideront de régler leur sort aux orques? Elle est trois fois bénie. La Kasga Grorimat était à la tête d'une unité en Glénombrie. Elle a été témoin de l'hypocrisie des dagues. Son mari et elle ont réussi à s'enfuir dans les contrées sauvages de Képhrem. Elle nous a avertis par l'intermédiaire d'un colporteur Bahandari. Je pense,
pour autant qu'on puisse faire confiance à un orque. En tout cas, elle est loyale. Elle a refusé d'abandonner son mari. Ce n'était pas négociable. Vous ne reconnaissez pas mon insigne ? Nous appartenons au cerf. La reine a ses yeux. Le haut commissaire a ses cerfs. Ok. Nous collaborons avec d'autres unités furtives. Nous leur prêtons main forte quand le besoin s'en fait sentir. Un autre... En effet, par le souffle d'Auriel, groupe d'agents, quoi. Nous avons assuré leur protection à nous seuls. Et plus d'une fois, j'ignore s'il reste des yeux aux côtés de mon escouade. Je l'espère, en tout cas. Ils sont courageux. Enfin, quand ils ne se cachent pas sous un buisson. Bon, apparemment ici, vu qu'on peut fouiller, c'est que c'est plus ou moins abandonné, et donc il n'y aura pas de banque, ou alors en tout cas, ce sera pas... On pourra pas stocker, il n'y aura personne à guichet, quoi. Comme d'hab, hein, chaque fois qu'on découvre une nouvelle zone, on fouille au maximum. Chose. Il a le même casque que moi. La même armure quasiment aussi. Le même perso aussi. J'ai cru que c'était un fantôme, c'est qu'il avait dû mettre un sort. Des trucs simples.
passer ici. Je fais quand même un petit tour. Allons-y. Déjà sur moi ceci. Donc, hop. Alors, si vous êtes là pour m'achever, allez-y. J'en ai assez d'attendre. Il était temps. Par la pierre et l'acier, sortez-moi de là. Je dois retrouver mon Morote. Il est là, piégé avec les autres troupes serres, sûrement. Écoutez, je ne suis pas la cible des dagues. Ils s'intéressent plutôt à mon Morote. Je ne suis qu'un soldat du rang. Je ne vaux pas la peine qu'on pourchasse par-delà les mers. Mon mari, Morote Mash, c'est lui qu'il recherche. Morote était conseiller auprès du roi Kurok Gros Orsinium. Il a déserté pour mener sa vie comme il l'entendait. Ils se seront préparés à bombarder le phare. Ils utilisent des tactiques ordinaires. Donc, nous allons d'abord détruire l'artillerie. Ah ça, j'en ai besoin. Donc on va faire la place. Surtout qu'il a fallu ça aura disparu aussitôt. Et qu'est-ce que j'ai ramassé tout à l'heure? Toutes ces bricoles. Le radis. Et le lin, c'est des matériaux, ça peut servir. Ça, j'en ai que deux ici. Merde. Ça se vend pas de toute façon. Merde, je vais le détruire moi. Ok, on va faire prendre feu. Les structures. Les bouchers, quoi. Les engins de siège, quoi. Ça a l'air pas mal. Là on en est bien. Quelqu'un avait qu'à interagir ici. Par les étoiles, venez ici. Tu es super discret. Comme Razumdar. Auriel, sois loué. Un visage amical. Vous êtes le comparse de Raz, c'est cela? Ah, voilà.
Je vous connais de réputation. Écoutez, je devais mener une opération de soutien des troupes. Mais un éclaireur d'élite de la garde du Lion traque nos hommes. J'ai besoin d'aide. Vous sentez-vous à la hauteur? Évacuez les blessés. À l'est d'ici, vous trouverez une réserve avec quelques uniformes de l'Alliance et des bandages. Si vous pouvez, soignez les blessés. Distribuez les uniformes et les hommes pourront s'en servir pour se replier. Ils ont entreposé quelque chose dans la hutte, à l'ouest. Il faudrait vérifier ce que c'est. Quelques-uns d'entre nous ont été envoyés en expédition vers le nord. Nous avons fait sortir clandestinement un couple de déserteurs des terres de l'Alliance, mais ces maudites dagues nous ont suivis. À présent, nous nous efforçons seulement de limiter le nombre de victimes. Ok. Oh là là, un trébuchet à faire prendre feu. Ah bah, il y a plus personne. Quelqu'un fait le job à notre place. Voilà. Ça c'est pour autre chose. C'est pour les uniformes, ce qu'il vient de me dire. Bon bah, ça sera fait. Non, c'est la carotte, j'en ai qu'une. Les bâtons. C'est des bottes simples. On va le voir, mais bon, ça va le coup d'essayer. Ah ouais, puis l'épaule, c'est vrai, j'ai pas regardé. Bon, c'est légère, hein. Je préfère regarder, ouais, c'est pas terrible. Mais je vais le démanteler. Ça fera du. Ouais. Ça, je le gère. Ça fera des matériaux de bonne qualité. Ouais, t'es déjà venu ici. J'ai à peine sué. Rivalise avec nous. Quand nous emportons 5 ou 6 d'entre eux avec nous, ça me va. Place.
commence à faire la gueule seul en plus. Qu'elles sont vraiment fatiguées d'ailleurs. Reste très peu de barres de santé ou d'état. Le bâton givré, j'aurais bien voulu le garder histoire de le démanteler et prendre. Bon, on va se débarrasser de ça, c'est pourri. C'est le truc qu'on a au début, je ne me suis même pas servi. C'est un sérum de santé, mais très limité. Ouais, ça, c'est les cartes. Je les garde que vous aussi. Je sais pas s'il faut les avoir pour trouver le trésor ou pas. Ou s'il suffit de les avoir vus une fois. Mais de toute façon, c'est pas visuel à mon avis. Hein. Je sais pas trop comment ça se passe, mais c'est un peu compliqué. Si on se fie seulement visuel. Ça a pas compté quoi. Ça ne pas avoir vu de. Ah si. Enfin, je sais pas. On verra. Là, voilà un autre ici. Explique celui du sud qui est dans cette direction là vu que c'est le sud. Allez pour le fun. On se sépare. Faites le tour. Là, je pensais que c'était le sac. Oh! Faites flamber ça! Dispersez-vous! Je vais tuer le monde ici. J'ai oublié de mettre mes raccourcis de soin. Bon. C'est quoi? Le meilleur moyen de se défendre, c'est l'attaquer. Voilà, il faut que j'arrête moi. Alors, normalement que je mette mes raccourcis à jour. J'ai fait me faire buter par des petits sbires quoi. C'est même pas des boss, c'est rien du tout. Ah bah c'est bon, c'est que c'était vidé, mais c'est parce que j'étais mis sur un truc vide, tout simplement. Allez, on va boire un coup. Et voilà, ok, on se met sur la vie.
arrêteront jamais. On a dû le louper. On sort de la petite ville, donc ça peut être à l'intérieur. On va passer devant. Revenez quand vous serez prêt. On est prêt. Ah, c'est qu'elle a vu que je me barrais. C'est un soldat qui vient de se lever, je sais pas d'où il sort. Oui, bon. On est prêt, hein, c'est ce que. On se paume. Ce trébuchet, c'est quand même assez gros. On devrait le voir assez rapidement. Peut-être que c'était là où on était tout à l'heure, là. Derrière, bah non, on va rejoindre là, la route. On est parti trop au sud. Ça y est, elle en a eu marre. On va dire moi aussi là, ça commence à m'agacer, où ce fichu est trop bouché là. On va mettre leur père personnel. Et voilà. Ouais, t'es juste derrière ça, c'est qu'on l'a pas vu. On aurait continué tout à l'heure, on est passé derrière, on l'aura raté. Mais calme. Ah gros, au moins 10. On va se faire 5. Ouais, même là-bas, tu me fais le fond. C'est vraiment c'est bon pour la vigueur ça. Une boost de rapidité je crois.
puis voilà, quoi, trébucher c'est fait. Ça c'est pour l'autre quête. C'est sans doute Arfanel qui vous envoie. Rien n'échappe aux yeux de la reine. Que le ver vous bénisse alors. J'ai récupéré tout ce dont j'avais besoin dans cet abri. Je m'apprêtais à partir. Voudriez-vous me faire une fleur et nettoyer? Je dois aller faire mon rapport. Prenez ces selles de feu. Les caisses vides qui se trouvent là brûleront en un rien de temps. Rendez-vous au campement sur la falaise quand vous en aurez terminé ici. Je suis sûr qu'Arfanel aimerait vous remercier. Vous pouvez fouiller les autres, tant pis. C'est trop, il y avait... C'était un piège. Tout ce qu'il faut. Un max de stuff. On pouvait fouiller ce qui était au fond. Voilà, c'est fait. Mon arme est HS. Ouais, c'est du poisson de vigueur, tout à l'heure ça aurait pu m'arranger, mais sur ça va, c'est pas très coriace là comme ennemi. Ça va être au-dessus. Ça peut être ça. Hein. Allez, bougez-vous! La fierté du lion! Thank you.
passer ici, mais on peut pas y accéder par là. Je reste ici. Revenez quand vous serez prêt. D'où tu t'as apparu comme ça? Parler machin sur la falaise. Est-ce que c'est au-dessus? Je reste ici. Je reste ici. Revenez quand vous serez prêt. C'est la bégaye l'autre, je crois. On s'écarte. Allumez ça. De mauviettes édentées. Allez, bougez-vous. On peut tout de suite se passer ici. Sauvez la reine. Que les étoiles vous protègent, voyageurs. Ok, là c'est le clan des gentils. Armure HS et arme HS, il faudra changer tout ça. Et voilà. S'il vous plaît, aidez-moi à partir. J'ai réussi à retrouver mon rôdeur, et Cariel m'a parlé de vos exploits. Excellent travail. Être un œil, ce n'est pas toujours une mission de haut vol. Mais vous serez d'accord avec moi, ce travail de soutien est gratifiant aussi à sa façon. Merci, mon nouvel ami. Cela. Excellent travail. Sûrement ça. Comme si encore elle d'ailleurs. Ah ouais, j'ai la caserne, c'est à trouver, mais tout à l'heure c'était fermé. Parce qu'il me semble que c'est ce qu'on a vu quand même. Avec l'espèce de mec qui est en train de. Qui était embusqué devant, avec son arc, l'archer. Ok les gars. Ah, c'est tout est gratuit ici. Faut se servir. Heureusement pour nous, on a les poches pleines. Voilà, on a déjà lu ça. Ah ben voilà, il y avait notre porte. On va y aller. Ok, on s'est mis du phare. Il y a un éclat céleste. On a bien fait d'y aller quand même.
Et voilà, bah, je pense que je vais clôturer ici, au sommet de phare. Bah, on a un panneau super, ce qui fait. Il y a de l'orage. Donc. Une espèce de brume. Quelques éclairs. On peut voir d'ici. Là où Québec est trébuché, il me semble. C'est la zone d'où l'on vient. Quoique je suis pas sûr. Il n'y a pas de trébuché. Peut-être qu'ils sont pas visibles ici, je ne sais pas. Donc voilà, je reprendrai ça de suite après, sûrement. Donc comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bon jeu à tous. Allez, bye.